Hier mardi 27 mars, l'Assemblée des sénateurs s'était réunie autour de la question du Petro-Caribe transféré à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Après le débat, l'Assemblée a voté pour le rapport succès consacré à la résolution de Petro-Caribe par 14 voix pour, 5 contre et une abstention. Le président du Sénat pour plus de précisions. Ce bah, pour me dire non, c'est la fin en bref historique, c'est que nous avons gagné lieu. Il y a une commission qui est les commissions éthique et anticorruption qui lui-même t'a initié une enquête et enquête là t'a abouti à un rapport. Rapport ça, sans que l'Assemblée sénateur pas prononcé le souli, il était choisi pour que l'y voyait à l'approfondir. Mais il était retiré tâche là et responsabilité de commission éthique et anticorruption. Pour l'été transféré à une commission spéciale. La conférence des présidents a validé la conférence spéciale. Ça. Et la commission spéciale ça produit un autre rapport. Et ce rapport ça qui a fait débat dans l'Assemblée parce qu'il était question de mauvaise utilisation, mauvaise gestion d'un fonds qui est le fonds Petro-Caribe. En plus, le monde dit 3,2 milliards. Il y a un qui dit 2 points combien. Il y a un qui dit dans les 3 milliards, il y a 1,5 milliard qui passait uniquement pour payer, pour subventionner EDH. En pile parole dissolue. La réalité, c'est que il y a un ensemble de monde qui était indexé. Il y a des monde qui étaient indexés dans le premier rapport là, qu'on ne peut pas retrouver dans le rapport approfondi. Dès lors, l'Assemblée sénateur, bon, il y a une responsabilité lui-même pour le prononcer. L'Assemblée sénateur n'a pas prononcé ni sous conclusion, ni sous recommandation que la commission a été faite. Et l'Assemblée sénateur adopte une résolution. Côté demandé à la Cour supérieure des comptes, conformément à ses prérogatives constitutionnelles et administratives, pour lui conduire un audit approfondi sur tout ce qui est les fonds publics et plus particulièrement les fonds Petro-Caribe de telle période à telle période. Vu que la résolution ça a été adoptée dans un moment où un pile sénateur dit c'est une résolution champouelle. D'autres disent que la résolution ça eh bien, est adoptée en violation du règlement intérieur. Le bureau lui-même estimait que il y a une résolution, il y a un acte législatif qui est adopté par la majorité des sénateurs et Wally s'est transféré à qui de droit. Ce que moi-même, en tant que président du Sénat, m'a été fait. En pile remous, en pile suspicion, en pile doute. Mais un fait est certain, c'est que l'Assemblée sénatoriale, souverainement, avait décidé. Sur cette base, après un pile tergiversation, après un pile temps mort, qui était même dit qu'il créait un certain handicap en termes de fonctionnement pour l'Assemblée des sénateurs, nous avons choisi pour organiser une retraite. Et dans la retraite, ça, eh bien, entre nous-mêmes sénateurs, nous avons débattu de tout ça qui gagne à ouais avec bon fonctionnement Sénat, respect qui doit gagner tout à bureau que sénateurs eux-mêmes ont voté, et bien au mandat, et faire en sorte que nous veillions le plus que possible à ce que pas de aucun acte que nous posons qui est contraire à la Constitution, aux lois de la République et plus particulièrement au règlement intérieur du Sénat. Et voilà, après retraite là, nous fixons l'autre rencontre et nous fixons toutes les périodes côté nous pour nous faire des séances statutaires. Fort malheureusement, nous connaissons la dernière fois dans le table débat sur lui, un incident produit, un incident malheureux produit, et nous te reprendre sur ça hier. Hier,
eh bien, assemblée et sénateur, tout tendance confondu, eh bien, ils débattent. Et après débat, eh bien, assemblée a accusé, on vote, et vote ça dit que yo d'accord avec rapport succinct là, qui était consacré vote sous résolution Petro-Caribéa par 14 votes pour, 5 contre et une abstention. Il y avait 21 sénateurs présents dans la salle. Demain, jeudi 29 mars 2018, marquera le 31e anniversaire de la Constitution de la République d'Haïti. Cette Constitution fut présentée au Palais législatif le 10 mars 1987 et ratifiée le 29 mars 1987. La Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution sortira son second rapport demain, jeudi 29 mars 2018. Le coordonnateur de l'étude et action des droits humains, Montu Joachin, s'est fixé sur la décision d'amender la Constitution de 1987. Ses précisions. Dans le contexte actuel, nous observons qu'il y a tout à fait un empressement, je dirais un empressement motivé à modifier la Constitution, comme si dirait-on, il y a des intérêts cachés. Or, faut-il se mettre d'accord, les affaires, les questions qui intéressent l'État ne peuvent pas être traitées avec aussi de rapidité, si hâtivement. Donc, quand on parle de la Constitution, vous parlez de la loi mère, du plus grand document juridique, du plus important document juridique de la société haïtienne qui a la forme constitutionnelle expresse, donc la forme rigide en termes de Constitution. Donc, il s'agit de la transmission des pouvoirs, de la gestion des politiques publiques, de la gestion de la cité, de gouvernance locale, normalement des forces publiques, et il s'agit également des droits fondamentaux et tant d'autres aspects que l'on pourrait encore mentionner. Donc, tous ces facteurs si importants pour la nation haïtienne, on ne peut procéder avec autant d'émotivité et d'émotion. Et donc, quant à son amendement, donc, faut-il amender ou non la Constitution de 1987? Donc, on pense que justement cette tendance à dire que notre Constitution, la Constitution de 1987, n'a jamais été mise en application. Et pourquoi donc envisager son amendement? C'est là le gros problème. Ne faudrait-il pas envisager de préférence à appliquer cette Constitution, permettre aux gens, particulièrement en ce qui concerne les droits fondamentaux, et les droits humains et les libertés fondamentales, à permettre aux gens d'exercer, aux citoyens d'exercer, de jouir de leurs droits. Voyez-vous, c'est ce qui importe. Et pour nous autres, en tant que militants, des défenseurs des droits humains. Par ailleurs, si l'on doit envisager l'amendement de la Constitution ou adopter une nouvelle Constitution, il faudrait, bien entendu, que l'on tienne compte d'un ensemble de facteurs si importants pour la nation haïtienne héroïque. Le forum Média Info Plus, de concert avec le collectif K2D et l'Union nationale des journalistes photographes haïtiens, a organisé ce mercredi matin une marche pacifique dans diverses rues de la capitale pour exiger des réponses sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Les journalistes ont également dénoncé la passivité des autorités judiciaires et policières sur la disparition du journaliste. Présent lors de cette marche, la journaliste de carrière Liliane Pierre-Paul a exprimé sa solidarité envers ce confrère. Elle en a profité pour lancer des conseils salutaires à l'endroit des jeunes journalistes. Ça veut dire solidaire avec Vladimir et à cause de la presse, à cause de liberté en général, toute liberté que nous avons gommée pour eux. Oui, bien sûr, ce sont des menaces liées pour nous. Premièrement, c'est deux messages que vous voyez dans nous non seuls. Nous faisons et nous ne devons pas circuler dans le pays. Nous ne devons pas exercer la profession. Et nous ne devons pas circuler, nous concernons les journalistes, mais nous concernons tous les citoyens. Et puis, un journaliste, il a le droit pour circuler.
il a droit pour faire repérage, il a droit pour chercher information. Pour là, si mon côté la chercher information, mon ne pas veut collaborer avec. Son droit mon ne gagne tout pour le respecter, mais il pas qu'à empêcher que il marche dans un nom pour chercher ça le besoin, son droit. On doit fondamental et pour aller chercher information, pour traiter information, pour diffuser information, pour informer la population. Information, c'est à la fois soit faire prend son, prend image, mais toutes ces photos, tout ça c'est information, c'est écrit dans le journal. Donc journaliste ont un droit et il y a pile monde qui sacrifié pour droit ça été rentré dans la constitution 1987 pour célébrer et demain. Ça fait 31 ans depuis tout est en dedans constitution. Nous dégoumé pour ça et yo gain liberté de la presse, liberté d'expression, gain toute liberté publique, liberté de penser, liberté de circuler, liberté de faire association, liberté de manifester tant que ça n'a fait là. Les libertés pas cadeau, c'est gourmet. C'est raché. Gain monde qui mouri pour yo, gain monde qui sacrifie toute vie yo, toute famille yo, jeunesse yo, gain monde qui prend prison pour yo, yo torturé yo, gain monde qui prend exil pour yo. Nous pas quitter yo bafoué yo, nous pas quitter passer en bas. Si vous comprenez bien dans tweet la police te publié avant elle commence à préparer nous psychologiquement au pire. Si vous comprenez bien, mais leçon que nous avons tiré, premièrement faut que nous très vigilants, pas gagner l'offre en conquête dit pas définitivement si que ou pas vigilant pour surveiller et que si nous mêmes dans presse n'a perdu du temps. Youn a attaqué l'autre. Youn n'a fait conflit de génération, des bails stupides. Vous comprenez? N'a fait mentir sous propre confrère nous. Nous pas respecté lutte qui t'est menée. Et ben nous n'a quitté un paquet de failles que monde qui ont même pas intérêt pour go presse qui vend dans pays parce que bien content que tout micro ça devant moi. Marvel te dit ça dernièrement dans émission spécialité fait sur ça. Ce dernier rempart recréé dans le pays, c'est à la fois la liberté de la presse et la presse dans l'exercice professionnel. Hein? Par contre, si nous avons ça qui a passé dernièrement, quand les journalistes ont dit, ils n'ont pas de canon. Hein? C'est les journalistes qui ont attaqué les journalistes. Oui? Une plainte formelle a été déposée par l'épouse du journaliste disparu, Fleurette Guerrier-Legagneur. Il exige aux autorités concernées à prendre toute disposition pour faire lumière sur ce dossier. Ces déclarations. Autorité obligée de faire des choses pour que yo éclaire si disparition Marine parce que pas capable encore obligé de faire des choses. Moi dis dans plainte là que Marine disparaît depuis 14 mars que juste journée jeudi on beaucoup jambe ca jeune yo réponse donc maman des autorités pour que yo même yo fait travail yo pour yo éclaircir pour y chercher information pour yo chercher pas connait pour pas saluer pour que yo capable bon résultat parce que moi besoin Marine pour faire tout ça que yo capable mener Marine bon moi ou bien bon moi information pas connait comme je dis a fait 15 jours pas connait ça passé jusqu'à présent parce que m'pa gain nouvelle m'pa gain rien mais pour les autorités même yo fait travail yo parce que moi besoin réponse. La Fédération internationale des journalistes, qui représente 600 000 professionnels de la presse dans plus de 146 pays et de son groupe régional, rejoint son affilié, l'Association des journalistes haïtiens, pour réclamer aux autorités responsables et compétentes l'enclenchement des instruments institutionnels afin de garantir la sécurité des journalistes, hommes et femmes, et d'enquêter sur les crimes contre la liberté d'expression. Le coordonnateur national des programmes sociaux, Charles Mozart, annonce toute une série de démarches visant à accompagner 2000 citoyens à l'occasion de la fête des Pâques. Cette mesure d'accompagnement a trouvé le support du ministre de la Planification, du ministre de l'Intérieur, du directeur général du SMCRS et du directeur général de FAES, indique Charles Leslie. Gilles Jeunesse Unie pour la paix, lance une caravane sociale pour courir 2000 monde pour fête Pâques. Fonds ça, nous jouons 50% fonds l'État. Ministre Aviol, ministre Saint-Albert, DG Magali, DG FAES. L'autre 50%, c'est nous-mêmes, organisations qui connectent pour faire des kits alimentaires, saumon, poisson, pour nous mettre pour le peuple. Je dis, nous demandons pour tout peuple haïtien. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous tous connaître Haïti, c'est pour nous. Si nous, chaque, nous montons une organisation,
n'a pas cherché aide nationale ou internationale pour supporter le pays, secteur privé ou public, collaborer avec nous, ça pas utile pays et société. Je dis, non, non, son excellence, président de la République, non, qui c'est M. Jovenel Moïse, qui travaille, qui mettait en tant que coordonnateur national, programme social et coordonnateur national, ministère de l'Intérieur. Mission PAM, c'est travail social pour nous arriver à atteindre l'objectif peuple. Le président Koué, dans tout le travail à faire, le président Koué, faut tout militant travail, faut tout le monde dans 10 départements, tout qui pas militant travail, mais la faire effort pour ça, à tout chef gouvernement, pour garder pour eux, après faire pas là, qui quantité de travail, qui t'a gagné. Le secteur populaire haïtien annonce l'organisation d'une manifestation pour ce jeudi 29 mars en vue d'exiger le départ du Premier ministre Jean-Guy Lafontaine à la tête de ce gouvernement. L'ancien député Arnel Bélisère invite à d'autres organisations intéressées par ce mouvement à rejoindre le dit secteur dans cette lutte. Ses déclarations. Organisation, yo, rendre compte nécessité qui gagne pour mettre tête ensemble pour faire bataille. Parce que bataille qui pour bailler réussite là, c'est pas moi-même leader politique. C'est pas Jean-Baptiste Aristide comme leader politique, c'est pas Moïse Jean-Charles, c'est pas André Michel, mais c'est toute organisation yo. Là on mettait tête yo ensemble, c'est yo qui fait miracle yo. Je dis à un paquet l'autre organisation qui pensait faire tibar clanique pour te l'ouvrir boutique, t'as pas une possibilité pour te chavirer gouvernement. Mais yo viennent yo compte que organisation conséquent yo. Je dis à yo comprendre. Et yo, pour exemple récent là, bataille FOPAC. Bataille FOPAC, ce n'est pas une bataille New Leader, c'est un groupe de leaders qui ont une organisation qui a une nécessité pour être chita, pour être fond bataille. Je dis à un pays pas dirigé, il n'y a pas un gouvernement. C'est ça qui fait le peuple dans la misère noire que lié là. Je dis, première phase de bataille là, c'est Todier Poyette, Jovenel Moïse pour la guerre La Fontaine. Tel que gouvernement pas bon, faut l'aller. Si le président de la République, là, qui a un mandat populaire, là, a une quantité très réduite, s'il juge bon, Guy Lafontaine, plus important pour lui que le pays, a, le ça n'a pas tête nous ensemble encore pour n'aller pas la président de la République. Là. Mais je dis, dans la phase que nous sommes là, nous disons organisation encore merci parce que vous grandi. Nous disons organisation populaire, yo. Pas quitter moun kap djou. Militant, famille Lavalas, là, c'est ennemi ou. Militant, petit Dessaline, c'est ennemi ou. Militant, fusion, pas ennemi ou. Yo toujours utilisé secteur populaire pour prendre pouvoir. Mais là, au fin de prendre pouvoir, yo nous trois rases, yo pas qu'à diriger avec nous. Yo a cherché la classe dominante pour gérer pouvoir ak yo. Misère nous toujours multiplié par 100. Je dis à nous grandi, nous font belle bagaille. Nous souhaité. Toute l'autre organisation qui peut rejoindre le mouvement Todier Poyette Jovenel Moïse pour la guerre La Fontaine, table la place par là. Dans un centre là, où il y a un mot à dire. Parce que je dis à pays, il n'y a pas qu'à continuer comme ça. Arnel Bélisère, à tout le monde qui dit le remède, il y a un rendez-vous pour camper des organisations qui ont bataillé. Leader politique, pas qu'à acteur là. Depuis le leader politique a pensé l'acteur par le positionnement de clan. Et sa organisation a fait, c'est que le peuple a fait passer. Moi, je dis au compliment. Je dis à monde qui pas tant de mieux. Moi, invité le 29, venez accompagner décision organisation populaire. Vous prenez. Dans le jour 29 mars, la bataille constitution pour faire monde vivre tant que monde. Gouvernement qui a crasé le pays sous complicité parlement. Nous parlons pas là avec.